Et yop tout le monde, bienvenue pour cette vidéo, c'est Landorf. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo information, annonce, ainsi de suite. Pourquoi je fais une vidéo comme ça le dimanche, aujourd'hui, en ce jour du 24/4/2016? En fait aujourd'hui, enfin, ça devait être une vidéo comme d'habitude, donc sur Tomcraft sans doute, sur mon let's play. Enfin mon let's play entre grands guillemets on va dire. Parce que ce n'est jamais qu'en cours et que c'est jamais qu'un tuto. Enfin bref, en fait aujourd'hui c'est la vidéo annonce qui devait sortir mercredi. Mais pas le souci, tant que je n'ai pas pu être là mercredi pour tourner la vidéo, pour me mettre un peu à du montage et tout ça, la vidéo a été retardée jusqu'à aujourd'hui. Parce que hier franchement j'étais claqué, c'était vraiment abusé mon voyage à Londres avec l'école. Franchement je regrette pas, j'ai vu de nouveaux trucs, j'ai parlé avec des Anglais un petit peu, je me suis informé sur la culture anglaise et tout ça. Et franchement c'est une culture super top. Franchement je vous invite que si vous avez les moyens ou quoi, partez 3 jours ou 4 jours à Londres. Et vous faites Londres, Canterbury et ainsi de suite. Personnellement c'est ce que je trouve le mieux à faire. Enfin bref, on va arrêter de parler de mon voyage parce que je me suis acheté plein de choses. Enfin, d'ailleurs je me suis enfin acheté un kit oreillette pour pouvoir écouter ce que je dis. Enfin, pas écouter ce que je dis, mais je veux dire pouvoir écouter bien mieux le son, pour pouvoir le retravailler un petit peu et tout ça. Normalement là, dans mes oreilles, ça va, ça passe crème. J'espère que ça passera aussi crème pour vous. Après, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires et je ferai encore des petits paramétrages. Il faut toujours faire des petits paramétrages pour qu'on est youtubeur et jusqu'à avoir le son parfait. Donc oui, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo du tuto Tomcraft, enfin, des astuces Tomcraft plutôt, parce que c'est pas vraiment un tutoriel, c'est plus des astuces, des infos et tout ça. Bien aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un projet que j'ai, que je peux essayer de m'y atteler, ce qui me demandera beaucoup de temps de travail, parce qu'on n'a pas rien sans rien. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit le proverbe, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on n'a jamais... Enfin non, je vais arrêter de m'attarder sur ce proverbe. Oui, donc... Mon objectif étant de créer une série, bon, normale, YouTube, série, c'est normal ça, mais une série qui reprend un petit peu, genre journal TV, enfin, de toute façon, tant que j'ai pas les moyens, trop non plus les moyens pour faire de gros trucs, voilà, je vais me contenter de ça, de OBS et tout ça, mais bon, c'est vraiment très bien déjà de base. Donc, je compte en fait, pas avec votre aval ou bien si vous trouvez que l'idée est intéressante et que vous pouvez demander à vos amis si ça pourrait les intéresser, ça, comme ça, voilà, ça pourrait prendre de l'ampleur. Enfin, c'est de faire journal, entre guillemets, journal TV, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas vraiment un journal TV, où j'essayerai d'avoir des interviews de youtubeurs, des avis d'autres youtubeurs, etc, ainsi de suite et blabla patati patata. Et donc en fait ce serait sur les jeux vidéo, qui c'est un large thème, parce qu'on peut traiter plusieurs choses. On peut traiter des PC gamers, on peut des marques, des claviers, des souris, des casques micro haut de gamme, des casques micro un peu moins pas de gamme. Enfin, bas de gamme en guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de bas de gamme dans les bons casques gamers. Le seul truc bas de gamme dans les casques micro, c'est le petit truc que t'as avec Microsoft. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais vous voyez, le thème peut être super vaste. Et j'aurais voulu travailler là-dessus pour faire une nouvelle série, pour que vous soyez heureux, content. Enfin non. Mais que ça vous informe quoi, parce que ma principale occupation ce serait de vous informer, de vous apprendre peut-être de nouvelles choses, ou que vous-même vous m'appreniez certaines choses et que moi en cherchant des choses à vous présenter, ça m'apporte aussi des nouvelles choses.
Donc, peut-être qu'aussi, au fur et à mesure que cette chaîne va grandir, si je continue à faire ces vidéos-là de jeux actu, enfin, de journal des jeux vidéo, oups, désolé, j'ai fait bouger mon micro, ce qu'il faudra se dire aussi, c'est que je l'annoncerai dans une vidéo. Si, par exemple, si dans une vidéo, il y a un placement de produit, je le dirai en début de vidéo. Pour que, voilà. Parce que, franchement, si je fais une vidéo comme ça, à un moment donné, je vais bien avoir des marques qui vont venir me dire, allez, coucou, veux-tu bien faire un placement de produit pour nous en échange de telle somme d'argent? Enfin, c'est entre guillemets normal et présentement, moi. J'en accepterai quelques-uns, pas d'autres, mais je les accepterai parce que sans doute que le placement de produit, ça va me permettre de présenter un produit en même temps que de gagner de l'argent. Donc c'est un petit peu comme si je travaillais pour la société, mais enfin, c'est ça le placement de produit. Enfin bref, donc il faudra pas s'étonner que si, je dis au grand si ma chaîne devient énorme et que je me fais contacter par des grandes firmes de style ASUS et Messi. Enfin là j'exagère parce que oui peut-être pas, mais genre par exemple Logitech, Rocket pour les claviers souris et casque, Corsair aussi pour les casques, claviers souris, Cooler Master aussi, ASUS aussi surtout pour les casques. ASUS c'est leur clavier mécanique Strix et leur souris Strix. Bon, enfin voilà, le sujet est clos sur le placement de produit. Voilà. C'est quelque chose que je voulais vous en parler parce que peut-être qu'un jour il y aura du placement de produit parce que voilà, je vais pas non plus cracher dessus s'il y a une agence ou quoi, mais j'essaierai quand même d'en faire pas de trop, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois ou quoi, ou tous les 3 mois. Enfin, c'est un sujet super délicat en fait à aborder, mais soyez sûr que les placements de produits, si j'en ferai, si j'en ferai. Si je faisais des placements de produits, je vous annoncerai à l'avance. Et voilà, franchement, si c'est juste un placement de produit qui peut présenter un produit, ça, ce sera le but de cette chaîne, de cette chaîne YouTube, de cette série YouTube, de vous présenter certaines choses comme peut-être aussi des jeux. Mais les jeux, je peux pas non plus aller excessivement loin parce que j'ai une petite bécane, mais c'est pas encore assez genre pour faire tourner genre Fallout 4, le jeu que j'adore, mais j'y arrive pas à jouer parce que mon PC est pas assez puissant. Donc voilà, en ce moment, je peux vous proposer que des vidéos de Minecraft, peut-être de League of Legends. Bon, ça, je vais essayer d'en faire, même si je pense que mon PC. J'espère qu'il tiendra la route sur Fallout 4, moi. Sur. League of Legends, comme ça je pourrais vous faire des vidéos. Comment sortir de bronze MDR? C'est juste bloqué en bronze, c'est chiant. Je ne suis pas le meilleur, je suis pas le moins bon joueur, mais ouais, voilà, juste mieux. Enfin bref. Donc voilà, c'est ça l'avenir de ma chaîne YouTube. Ce sera des séries consacrées à l'actu, des jeux vidéo, enfin de tout ce qui tourne autour du domaine du gaming. Donc c'est un peu une annonce, mais je voudrais vraiment avoir votre avis. Pour savoir ce que vous en pensez, est-ce que ça serait une bonne idée ou pas? Enfin, après, j'essaye un peu d'innover parce que waouh, du Minecraft, le truc c'est que sur YouTube, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de Minecraft quoi. Et voilà, j'ai pas réussi à percer, peut-être pas réussir à percer sur YouTube avec ça, mais bon, enfin bref. Que dire d'autre? Bah c'est tout en fait, c'est tout ce que je voulais vous poser la question. Et vu la dernière vidéo de Tomcraft qui n'a pas eu excessivement de vues, bon, ok, les biomes Tomcraft, ça on connaît tous, mais bon, enfin j'espère que cette vidéo t'aura plu, à toi qui es derrière l'écran. Je vous préviens que plus le temps passe, plus j'essaye de m'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses sur le modding, enfin le modding, moi. La mise en place des certaines choses, les vidéos YouTube, enfin, j'essaie de mettre en place le plus de choses possible pour que ma chaîne YouTube soit resplendissante et que voilà, que vous ayez des nouvelles. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais encore faire une fois ma putaclic, MDR. Mais franchement, si t'as apprécié la vidéo, bah, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire pour me donner ton avis. Et partage-la, franchement, si ça.
ça pourrait être sympa et ça pourrait même m'apporter, on dit, mais quelques abonnés de plus et quelques vues. Et n'hésite pas à t'abonner. Hein. Donc, bah, merci pour cette vidéo. Bah, pour cette vidéo, moi, pour avoir regardé cette vidéo, franchement, j'espère que. Que ma communauté grandira, super, sera super grande. Allez, bye tout le monde, Lambert, peace.